Coucou tout le monde. Alors, chose promise, chose due, je suis allée à la recyclerie. J'ai mis mon beau t-shirt d'ailleurs que j'avais eu là-bas. Et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, pour commencer, à 4 euros, 5 euros, pardon, j'ai trouvé cette lampe et je l'ai trouvée magnifique. Le pied est magnifique. Alors là, le sans plus, le truc là. Mais bon, je vais essayer de mettre une ampoule parce que là, il n'y a pas d'ampoule. Et le mettre sur ma table à l'entrée parce que j'ai une table rouge, un peu une desserte. Donc je trouve que ça va aller super bien avec. Même en fait, ça va juste être de la déco parce que je ne sais même pas en fait s'il y a une prise là à l'entrée. Donc, mais j'ai vraiment trouvé. Ça m'a fait penser un petit peu à. Ah, j'oublie les vases Valoris. Mais je ne vois rien qui dit que c'en est un. Mais je l'ai trouvé vraiment hyper joli, hyper rétro. Donc 5 euros. 4 euros cette fois ou 5 euros aussi, je ne sais même plus. Mais en tout cas, j'en cherchais. Donc je suis hyper contente. Quand vous allez voir, vous allez comprendre. 4 euros. Un bain de pied. Vous vous rappelez que je vous saoule avec ça depuis quelques temps. Je vous dis que je voudrais un bain de pied. Donc, normalement, il marche, hein, évidemment. 4 euros. On va bien bien le désinfecter. Il est du coup encore dans son emballage. Je vais voir s'il y a encore les accessoires. J'ai pas l'impression qu'on est. Ah si, ce soir, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Oh, il est propre. Oh, bah nickel. Oh, il est bien propre. J'adore faire des bains de pied. J'adore. Je mets de l'eau. Je mets des fois un peu de savon. Je mets un peu de huile essentielle. Ah, bah oui. Il y a le truc gratte-gratte. Et il y a le truc sûrement massant. Ça tourne là. Quand tu appuies dessus. Ah, bah écoute, c'est bien. Normalement, je crois qu'il y avait trois. Il y en avait trois. Des petits éléments, mais il n'y en a plus que deux. Non, il n'y en avait que deux. Ah non, bah, il est vraiment complet. Ok, j'ai rien dit. Donc 4 euros, 3 programmes, thalasso pour pied. Franchement, quand tu vois le prix que ça coûte, en plus celui-là est nickel. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ça fait un petit moment que je vous dis que j'en veux un. Donc, et maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Enfin, c'était déjà du sérieux, mais en tout, j'en ai eu pour 20. Oups, 23 euros. Je me suis trouvé un bracelet. Il est là depuis un petit moment. Alors, il est. Tu vois l'élastique qui commence un petit peu à se défaire. Alors, je vais carrément couper et refaire passer un élastique. Et il y en a même deux, là, des élastiques, en fait, à chaque fois. Deux et deux. Et je pense. Ou alors, je vais refaire un nœud, je ne sais pas. Non, parce que je crois qu'il va casser au bout d'un moment. Tu vois, l'élastique, il commence à faire la tronche. Je pense que je vais enlever quelques. Tu sais, quelques. Comment ça s'appelle? Je te passe en économie d'énergie. Parce qu'il est trop grand pour moi. Tu vois, j'ai enlevé quelques trucs. Je vais refaire avec. J'ai exactement le même fil pour faire mes bijoux. Donc, je vais faire passer. J'enlève quelques trucs parce que tu vois, là, il est trop loose. Et puis, vraiment, l'élastique est plus très élastique. Donc, voilà. Je pense que je vais enlever 3-4 machins, là. Ouais, ça devrait être bon. 3-4. Ouais, ça devrait être bon. Et voilà. Et comme ça, je pourrais me le mettre à ma taille. Il est vachement beau. Il est un peu nacré. Non, il est nacré. Ça fait 13 années 80. Le bois à l'intérieur, je trouve magnifique. Tête d'oreiller, pourquoi pas. Quand je vois des tés Disney, moi, il y avait celui-ci, Bambi. D'ailleurs, tu peux en faire des coussins hein, si tu veux. Je sais qu'à la recyclerie, ils le font. Ils récupèrent des vieux tissus, ils bourrent, ils bourrent, ils bourrent, ils bourrent et ils font des coussins avec. Donc voilà. Et puis après, tu recouds en bas à la machine si tu en as une. Et il y avait celui-là. Alors celui-là, il est sensationnel. En plus, il va avec ma taie d'oreiller, cette taille-là, tu sais, la taie d'oreiller un peu incurvée que j'avais eue dans un partenariat. Et regarde de l'autre côté, Esmeralda avec son beau E. J'adore ce côté-là d'ailleurs. Le bossu de Notre-Dame. Je trouve ça magnifique. Oh, celui-là, j'ai sauté dessus. Le sac à main vintage, bleu marine, rouge et vert, des années 90, dans ce sens-là. J'adore. J'adore. Y a-t-il une marque? Non, il n'y a pas de marque. Bon, l'intérieur n'est pas trop dégueu. Hein. Parce que des fois, tu as des surprises. Non, il est bien. Rouge et vert. Non, mais franchement, on adore. On adore. Ce sera pour un de mes looks que je pense. J'ai une petite idée. Peut-être avec ce t-shirt-là, d'ailleurs. Je ne sais pas, je vais voir. Rouge toujours. Ça, je vais faire quelques photos avec. C'est vraiment le truc des débuts 2000. Là, on mettait ça. J'en ai déjà trouvé un la dernière fois. Je vais faire quelques portées. Il est beau hein, en satin. Et ce sera offert dans un colis Vinted. Je trouve très beau. Mais je sais que ce n'est pas un truc que je porterai souvent. J'ai pris un lot de vêtements. Hop. Allez, on y va. Donc, il y a 5 vêtements pour 4 euros. Vous le savez.
La marque. C'est une petite jupette, hein, encore, pour ne pas changer. D'ailleurs, il y a toujours du linge qui sèche ici, mais du coup, à force. La marque, c'est Sun Valley. Ouais, Sun Valley, taille S. Ça fait une petite jupette comme ça. Je l'avais reposée, mais elle m'a dit, vous manquez un vêtement pour faire les 5 pour 4 euros. Une fente là. Il est un peu grand, mais elle est un peu grande, mais elle se, tu vois, elle se resserre. Donc j'aime beaucoup le fait avec tous les boutons là. Ça fait un peu années 90. J'aime beaucoup. Même avec mon petit t-shirt là, ça pourrait être pas mal du tout. Ça, on est chez Tissaya, donc c'est pas Leclerc ça, enfin c'est une grande surface 38. Je pense, oui, non, c'est pas je pense, c'est sûr que c'est une robe. Tu vois, une robe que tu mets ici. Donc tu peux la mettre en robe. Il y a une fente quelque part, oui, là sur le côté. Robe. J'allais dire, tu peux la mettre en robe et tu peux la mettre en jupe. Non. Non, c'est pas possible que ce soit une robe. Ça serait vraiment trop. Ah oui, attends, la fente, elle arrive. Pourtant, là, ça fait vraiment robe le haut, là, comme ça. Robe bustier. Mais moi, j'allais dire, j'avais la mettre en jupe. Bah, du coup, ça tombe bien parce que la fente, elle est vraiment très fentue, hein. Je trouvais le motif très sympa. En plus, elle est d'une fluidance. Je te dis pas. Tout ça va aller au lavage. J'ai trouvé des collants. Oh, bah, elle m'a coûté le collant comme un vêtement. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, pour 4 euros, on va pas chialer. Parce que j'aime beaucoup ces collants-là, très épais, là, pour l'hiver. Et j'en voulais en couleur. J'en cherchais un moutarde. Et là, j'en ai trouvé un vert comme ça. Et je trouve que c'est super. C'est super sympa ces collants-là, ils sont doux. C'est vraiment très confort. C'est un peu du micro, de microfibre, style microfibre. J'ai trouvé, bon, ça je l'ai pris. S3 Active. Je ne sais pas si c'est vintage ou pas. Ça en a l'air un peu. Regardez-moi ces broderies. Franchement, j'étais obligée. J'ai fait du tri dans mes chemises, j'en ai fait plein, mon chéri. Elle est trop belle. Et pour finir, alors là, on est parti dans les années 90. No excuse en taille 38. C'était pas la halle aux vêtements, ça. Avec une vieille étiquette de la mort. C'est pas écrit Made in France, mais je suis sûre que ça l'est. Taille 38 de l'époque. Hein, donc, alors, taille 38 de l'époque. Attends, tu veux rigoler ou pas? Voilà. Pas une taille 38 du début 2000 avec moi, bon, elle est un petit peu abîmée, mais c'est pas grave, c'est juste pour faire des photos. C'est un les pantalons qu'on achetait sur les marchés là qui étaient bootcut et pas de def. Il a l'air en plus hyper long, donc je vais le laver peut-être dans une taie d'oreiller pour éviter d'endommager un peu plus la c'est écrit no excuse d'endommager un peu plus ça parce que c'est déjà endommagé. Bon, ça se verra pas hein, sur les photos. De toute façon, ça peut s'en aller ou pas? Non, ça peut pas s'en aller. C'est vraiment. Tu te rappelles les bootcuts? Ouais, je pense qu'on dit bootcut. Hein. Tu vois, avec le. Vraiment, ça fait pas de def, quoi. Il a l'air long. Il a l'air long. J'ai pris un soutien-gorge, je vais vous montrer. Une belle petite pochette Yves Rocher. Et. Il faut que je les lave parce qu'elles sont dans un état. Attention. On va arriver en 78. Je vois même plus. Pareil, c'est pour faire quelques photos parce que je pense que vraiment les verres sont dans un état proche de l'oyau, quoi. À moins que bien nettoyé, mais de toute façon, elle sert trop. Elle sert beaucoup trop. Ah, j'ai pas osé les essayer dans le magasin, mais. Enfin, si, je les ai essayés d'ailleurs, je dis des conneries, mais il n'y a pas de miroir. Tu vas voir ce que ça donne. Je me vois même pas. Oh, c'est sympa. Oh, c'est sympa. Ouais. Bon, pas coiffé comme ça, évidemment, mais ouais, ça fait très vintage. Ben, ça doit l'être, d'ailleurs. C'était offert par Yves Rocher ou c'est une pochette qui n'a rien à voir? Je ne sais pas. Qu'avons-nous? Ah non, c'est juste molletonné. Je croyais qu'il y avait un petit truc pour essuyer. Oh, je te voyais pas du tout, là. Elle est trop belle, la pochette. Mais Yves Rocher, ça existe depuis combien de temps? Parce que ça, c'est l'ancien sigle, je crois. Elle est trop belle. Et pour finir, non, il y a ça aussi, que je glisserai dans un. C'est pour glisser dans un colis Vinted. C'est un petit. Je l'ai trouvé sympa.
le petit truc en bois, là, je me suis dit, c'est dommage, tu vois, là, c'est un peu terni. Dommage, hein? Sinon, je l'aurais mis dans un lot en vente, mais je peux pas parce que c'est terni. Et la marque, c'est Moi. Vous vous rappelez, bon, ça peut être début 2000 aussi, hein, Moi. Je sais même pas si ça existe encore, d'ailleurs. Ce sera pour mettre dans un colis, ouais. Mais il est beau, remarque. Ensuite, pour finir, de la marque Texto. Ce n'est pas ma taille. De toute façon, elles sont abîmées, hein, un peu quand même. Ce n'est pas ma taille, mais je me suis dit non. Pour faire des photos, tu peux pas passer à côté. Donc là, je pense également qu'on a fait un retour dans les années 2000, peut-être même plus vieux, mais je ne sais pas depuis quand ça existe, Texto. Oh non, peut-être pas quand même. C'est du 37. Et je me suis dit, pour faire des photos, ma fille, ça, c'est pas mal du tout. Je les trouve hyper originales. Et d'ailleurs, je pense qu'elles iront avec une de mes tenues qui était prévue. Donc, ouais. Je vais essayer ça. Mais je sais que ce sera trop petit. Et je ne peux pas les revendre parce qu'elles sont quand même trop abîmées. Et moi, j'aime pas. Donc, soit je les filerai à ma copine parce qu'elle fait du 37. Bon, non, c'est pas. Je filerai à ma copine qui fait du 37. Voilà. Après, elle en fera ce qu'elle en voudra. Mais c'est vrai que, regarde, même là, c'est un peu abîmé. Moi, je ne vends pas les trucs comme ça. Ça va se déchirer, je pense. Bah, je pense que pour moi, elle date du début 2000, dites-moi. C'est une forme qui fait très rétro. On dirait un truc des années. On dirait des chaussures des années 60, 50. Mais Texto n'existait pas il y a si longtemps que ça. Donc, je crois que ça n'existe plus. Bon, bah voilà, les filles. J'ai rien oublié, j'ai rien oublié. J'espère que ce petit. Ah, si! Vous savez que je vous dis toujours que je ne prends plus de serviettes, 30 centimes. Mais je suis toujours un peu embêtée quand je reçois quelqu'un qui boit le café, de lui filer une serviette en tissu, parce que des fois, elles ne sont pas forcément repassées. Elles sont lavées, mais il y a toujours un peu de tache dessus et tout ça. Donc, j'ai pris quand même. Je me dis quand même, ça sera plus sympa. Ah oui, c'est vraiment tout mélangé. Ce sera plus sympa d'avoir une serviette comme ça, tu vois. Même si ça fait des déchets. Oh, joli! Mais ouais, des fois j'ai des serviettes et du coup j'ai un peu honte parce qu'elles ont toujours des petites taches. D'ailleurs, il faut que j'aille à Action. J'y vais mercredi avec ma copine. On va racheter du percarbonate de soude. Soude, c'est de la soude. De soude. Et pour blanchir des trucs. Et le savon de fiel de veuve, c'est nickel aussi pour les taches. Mais on n'arrive pas toujours à toutes les avoir. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Dites-moi ce que vous préférez. Je pencherai quand même bien pour les chaussures. Parce qu'elles sont quand même vachement originales. La lampe aussi. Dites-moi. Je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!